Bonjour Président Gustave. Oui, bonjour mon Amboka. Président Gustave, vous êtes le partenaire de la Congolais Télévision pour les 100 000 abonnés. Parce que tu es branché, il y a un peu de temps, Président Gustave. Abonnez-vous, santé, Président. Oui, santé, ça très bien dans vos alliés comme on a. Mais les méchants des arrêts sont belés. Pourquoi les méchants sont belés? Parce qu'il y a toujours des voleurs qui aiment voler et piller notre pays. Et les voleurs, ils sont basés à ce sont des Rwandais. Au nature na bango ezali kimoyibi tant na ba kimoyibi ezako finga bango te. Je suis en train de le qualifier par rapport aux actes qu'ils posent, qu'ils ont eu à poser depuis 1997 na mboka na biso ba kota a na nzela FDL ba yiba biloko bele na mboka o batina na Rwanda ba yiba voir même na basen na baluto. Et c'est par là que j'avais compris que le Rwandais souffrait hein, et bandai kolia na makasa parce que ba yiba na baluto ba yiba na bakofu ba yiba na basan. Et ils n'ont pas cessé ba kobina koyiba ba minerai na biso ba différentes richesses autour za nango ba créer kutuna ba usine na bango ya raffinerie hein na mboka na bango or bango bazana ba richesses o bango ba créer ba usine ya raffinerie et ko suka wana te pas plus tard qu'hier pendant que le FRDC ba frappa ki militaire il y a 1-23. On a eu surtout une santé, on a eu surtout une santé, ça bien maintenant, la méchant, ma bébé. Donc, méchant de Tininga na loba. Vous comprenez un peu? Et les gens qui nous suivent doivent comprendre que nous, tous en un moment, nous avons eu le solo, le qui, le solo, le bête à ma casse, le Congo, le lo, le gâte, le solo, moi, c'est un au bal. Le lo, les alli, ma solo, à est. Comment est-ce que le 1-23 nous envahisse? Comment est-ce que le Rwanda aussi nous a envahi? Donc, on a eu un coup de ça pour nous, on a eu un bête, bango fimbo. Ba piller na ba école, ba piller na ba cantine populaire au ba salé la ki pour la population na ba na classe ba e ba na rolia. Comment le président Gustave tout ko zone comme tu dit na nous je suis comme on bitandu ke bi maki ba photo ne tambola ki pa de pays na ba toje yo ba ki parmi ba o yo ba misidi ça ba magistrat ton de président Gustave. Non, nazala été parmi ba to abimisa ki listre ba magistrat parce que ngai n'a pas encaté lobby qu'au travailler en tant que magistrat. Moi, je suis politique, mais dis-moi, c'était mon deuxième titre de licence parce que mon premier titre c'était licence en marketing, option gestion des entreprises, et là c'était mon deuxième titre dans droit public. Donc de mon acquis quand même, moi, bah faut mais gars qui un peu surquillé, na batoge, il y a eu deux amis. Oh, bah, j'ai quand même sentiment à publier collègue Nabango. Donc, les alités que Nakomaki magistrat, d'ailleurs, Nandenge, Nautaki, Kozoa deuxième titre Nanga, licence en droit public, je me focalisais déjà Nako, ça l'avocature, donc au côté d'avocature, aux l'avocat. Et je crois que c'est 29 ici, il y aura un concours d'admission. Il y a un avocat na barreau ya Kwilo. Donc je serai là dans Nazali ko s'apprêter pour na okende kuna malgré que il y a certains moyens qui me manquent et je sais que c'est qui aime toujours Gustave Lutumba au travers mon numéro plus 243 89 457 33 88. Je le répète, plus 243 89 457 33 88. Ils peuvent m'appeler pour me donner aussi un coup de pouce parce qu'il y a beaucoup de frais juste à payer avant, d'ailleurs, Tokoma le 15. Donc, plus tard le 15, je dois payer. Et au plus tard le 20, il faut Nazala déjà na Kwilu. Donc, na Kwilu, le 29, on a participé à un test na barreau ya Kwilu. Le 29, on a plutôt Karanabu. Donc, on a aussi lu ça. Na Kwilu na Kikwiti na zui transport na zongi mena olinga na zo avion donc na futa avion pour nous permettre ngana qui t'a très bien avant na participer na activité où le chef de l'État azana yango le 30 juin parce que le 30 novembre donc le 30 novembre de ce mois ici le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi sera face à la jeunesse congolaise.
Voilà ce que je pouvais dire. Et n'a profité pour ça na papa Kazali Mukuna, papa Mukuna aussi Chambouyi. Voilà. Okay. Bah, dédicace, non, non, ce ne sont pas des dédicaces. Donc, on a aussi bango le coup conseil aussi. Bah, coparent n'angai. Donc, bah, déjà, donc on s'inscrire dans la logique. Wana, na maman bijou les cannes. Merci beaucoup pour ça, Gista. Tu peux te dire sur la santé à la République du Congo. Attends, au côté que on a précipité trop. Bonne situation à l'Est et à Mbogan, à Mbogan, à Mbogan, à RDC, à Mbogan, à territoire. Pour moi, violer sur le territoire, à Mbogan, à Mbogan, à Gista. Non, mon cher ami, au Moni, la RDC, Bissotou, viola, à le territoire, à Batouté, à Ndengoye, Béli Bissot. Mais s'il arrivait peut-être que, d'ailleurs, là, j'aimerais relayer ce qu'avait dit le ministre des Communications, Patrick Mouyaya. Oyo, cette fois-là, je l'ai trouvé quand même très compétent, très coriace. Et je dirais même, il a utilisé un ton ferme d'une vraie autorité. Alobi que, avion Abisso, c'est vrai, et le cas qui est en Rwanda, mais. Et ça là qui n'intention abusseur au Kita Funate parce que la République démocratique du Congo n'a jamais nourri les intentions y a aucun découvre le territoire y a baninga mususu mais quelque part en politique et en diplomatie c'était une réponse y a quoi ça là-bas qui au moins n'engue boyo qui passe donc ça n'engue bino bo franchir ça raba frontière n'abusso boyé pas n'abusso boyé comme ça la désordre. Nous avons aussi cette possibilité là maintenant linga comme ça là en côté parce que nous sommes vraiment conscients avec cet esprit. Oh, je dirais qu'il y a humanisme net au lingara kosa la yangote. Et il est arrivé que non, tokoma na mboka na bango, avion pende kiti rr na simanango et mati wane zalaki avertissement. C'est une provocation. Non, mon frère, ezali provocation te. Na zoe bisayo que ezali provocation te. Na lobby, mais c'est les journalistes, ezali provocation te, ezali la réponse du berger à la bergère. C'est-à-dire. De la même manière que nous avons procédé, nous avons procédé dans ce que nous avons fait. Au moment de Rwanda, à l'Eli, nous avons violé le territoire, nous avons violé. Mais et non seulement violé le territoire, mais ils ont violé nos mamans ici dans notre pays. Et ne se sont pas limités seulement au viol des femmes, mais ils sont arrivés jusqu'à tuer, à exterminer une grande population, au-delà de 11 millions de personnes. Oh, Bakoufa! Nanzela, il y a Rwanda, Baboma, Bakongo, Nabiso, Lelo, et aujourd'hui ils sont derrière le 1-23. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que, on a topé si Bango a avertissement. C'est pour leur dire que nous avons la force. Il y a Rosala, Obino, Bosala, Kawana. Mais, Lokola, Tozali, Batu, Oyo, géographiquement, nous sommes obligés. Il y a qu'on reste ensemble jusqu'à ce que le monde sera détruit. Donc, bisotoni kokota na ba logique kwana te to bengi na bino bozonga a la raison. Donc, situation à est pour l'instant, le FARDC, le FARDC, tous ali ko traquer ba 1-23 ko beta bango fimbu na ndenge moro ya rosala na. C'est comme on a une nouvelle FARDC a su ko déborder même Kaonga auprès de 5 km de la cité de Kiwanja. Oh, déjà qui sous contrôle par Bayi 1-23 et faire des ça déjà plus de 5 km pour comme la cité de Kiwanja mon amboka. Force faire des ça mon amboka 8 na motin de mon amboka. Qui est derrière vous? Non, écoutez, qui est derrière le FARDC, c'est la population. C'est la population, c'est le peuple congolais qui est derrière le FARDC accompagné par le commandant suprême des forces armées de la République et de la police. Le président Félix Antoine Tshisekedi. Et vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, avec l'appui à la population, avec l'aide du chef de l'État, avec la conscience et la détermination, il y a FARDC, nous avons réussi quand même à déloger les infiltrés au Bafanda qui n'a armée. Laissez-moi vous dire, le Rwanda n'a jamais été fort. Rwanda pour na apota. Le Rwanda n'a jamais été fort. Nalomi, le Rwanda n'a jamais été fort. Le Rwanda combat stratégiquement en utilisant l'influence intérieure. Pourquoi j'aimerais vous le dire? En 1997, quand le Rwanda a commencé à prendre en chasse l'AFDL, le Rwandais ou l'AFDL avait utilisé le général Mayele. On lui donnait de l'argent, on lui donnait des moyens. C'est le général Mayele Ndabandaï qui a découragé Force Nabiso à cette époque-là, au Tozalaki, FAC, FASA. À l'époque, donc,
forces armées zaïroises face à Nabiso qui a été découragé par le général Mayele au un moment donné avant d'être commis à Bobundate. Et non seulement car Bobundate, mais le général Mayele arrive ou parvenait même y a côté qu'à stratégie au Biso Tobanda qui cause. Vous comprenez? Et tout ce qui en a été lorsque le musée Laurent Désiré Kabila à Yébissi, Naba Rwande, Bozo Nanambo Kanabino, vous avez senti comment est-ce que tu trakaki bango, tant que tu quitté la Bissot, Nanzela, ya Congo central, Namatadi, tu beta bango, ba o babimelaka, Nanzela, ya Kingasani, Masina, Nanzela, ya Tchangu, tu beta bango, et population kanga bango na maboko, tu n'es pas là pour maîtriser bango. Ils ont utilisé maintenant une nouvelle façade au Ezalaki, il y a le 1-23, rébellion et Kobanda, 1-23, Kobima MLC, Koto alimenté dans Ouganda, Koto alimenté dans le Rwanda. C'était ça leur carte. Et ce retali bien le lot, au courant que le 1-23 Ezali, ba ramification, il y a RCD Goma, le RCD Goma qui a été soutenu par le Rwanda, et jusqu'à ce que, tant que n'y a pas élection, qui dirigeait le RCD Rwanda? Vous êtes d'accord avec moi? C'était Rubewa. Il a été parmi le quatre vice-présidents. Je n'aimerais pas aller trop à l'intérieur parce que le chef de l'État, na adresse na yote kolika dernièrement, ah ouais, il nous avait interdit yako s'acharner aux individus rwandais. Pourquoi? Parce que nous, les Congolais, j'aimerais très bien les préciser, et aussi avec la communauté internationale qui nous suit maintenant, le peuple congolais n'a jamais eu de problème avec le Rwanda. Le Congolais, nous n'avons aucun problème avec le Rwanda. Cependant, ce sont les autorités rwandaises qui ont des problèmes sérieux avec le peuple congolais. Bazali ko boma biso, bazali ko pillé biso, bazali ko mettre biso en insécurité, ko violer, voire même naba maman biso, naba na biso ya basi, et nous la population ou nous les peuples, nous n'allons pas laisser cette occasion nous échapper comme ça, sinon to ko za la traiter ou qualifier gelilé naba nonchalant. Et to rolingaté to kende naba nivona, nous allons réagir. C'est pourquoi ngana lingi ko yebisa naba ndeko na biso oyo ya Rwanda, il est temps bino population rwandaise botele me la Paul Kagame, parce que ceux qui botele me liété biso peuple congolais to longola bilamba. Vous êtes aussi les ingrats, président Gustave, comme on a qu'à Rwanda si ko yede bino ko bengana le léopard Joseph Mobutu après ko sungamno, mais pourquoi boki ko récompenser Rwanda na di manière mo boya mabé vous récompenser mon amboko yazo réclamer juste ma kambo kana kake intervention. Écoutez, Nalobi, écoutez. Il faut que Rwanda va réclamer juste Bakor. Non, Nalobi, Bakor Oyo Basignaka. Je ne sais pas si avec Joseph Kabila, si avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, mais avec le chef de l'État, il n'y a eu aucun accord où il y a eu Rwanda possibilité à Rokota, Nakata RDC pour tuer les citoyens congolais. De un. De deux. Et un accord, mon rôle signé avec le président Félix Antoine Tshisekedi, où il y a eu la Rwanda possibilité, il y a eu une portion, il y a terre Nabiso. Babylon Kwana, si ça était peut-être, je dirais, contracté avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, avec Joseph Kabila, Wane Zali Kota la Bissoté, le Congo n'appartient ni à Mouzé Laurent Désiré Kabila, ni à Joseph Kabila. Puisque Bissoto Zabé est ingrat, Bissot population congolaise, Tosali ingrate, Nandenge, Tosali de l'autre côté, les Mela, le Rwanda, Abengane la Kibiso, l'aigle de Kawele. En quoi? Bisoto trouver profil lelo na robengana oyo ya bengane la biso Mobutu. Et j'aimerais vous dire, j'aurais bien voulu voir Mobutu être là, que comme on a lelo est na biso ba mama na biso baza violé, baza tué, puisqu'il y a eu le Rwanda et l'Ouganda ba côté a na nzela ya AFDL pour na robengana Mobutu. Il fallait tant ba bengani Mobutu to tikala na kimia koleka, mais ko bengano bango ba bengana Mobutu ba kinde pour na ko infiltrer mboka na biso. Ils ont pris toutes les fonctions, les autres fonctions. Oh, ben étranger, ben qui part en Abambo, qui a battu Moussous, c'était Bango Bazuango, en complicité avec les accords signés avec Joseph Kabila, entre, avec plutôt son homologue, son mentor, le Rwandais, Paul Kagame, de 2009 à 2011. Ils ont eu à signer des accords, Oyo et Salaki Bango, que, ben Rwandais, ben la possibilité à quoi Koko Tanakata Congo, va travailler dans ma fonction, va occuper ma fonction, sans exception. Et le lot,
armée n'a pas été fragilisée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un Joseph Kabila, parce qu'il y a eu un Rwanda, parce qu'il y a eu un RCD. Vous comprenez un peu? Donc, on ne peut plus jamais accepter ces histoires-là. Il y a un moment où le peuple a vivra en esclavagisme, mais à un moment donné, le peuple a se réveillé. Le Congo a été beaucoup colonisé par le Belge, mais à un moment donné, tout le monde, en 1960, le 30 juin, tout le monde, plus question, il y a cause à la coloniser et nous voulons l'indépendance. C'est par là qu'on avait acquis notre indépendance. Mais pour ça, tant que tu as RCD, tu as réfléchi à moi, mémoire, qui tu as dit que l'intervention est à Koulounia Mungabu, où le président Moussa n'est rentré chez vous. Je pense que je crois assez aux acquis. Il n'a pas eu tort de lui dire rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Oui. Tout ce que moi, c'est que vous avez dit, c'est que vous avez besoin d'acquiser juste. Bango, Bazali, étranger, groupe RCD Goma. Mais RCD Goma, quand RCD Goma, il n'y a pas les pères et les mères, il y a des gens qui sont en non, écoutez. Jean-Pierre Bemba, vous avez été pour la MNC, il a fait la rébellion. Jean-Pierre Bemba. Quoi, les motos, nani, la mère Mbende ou le Lobo Zolo, la mère Mbende. RCD Goma, mon amour. Est-ce que le Jean-Pierre Bemba Gombo, Azali, qui a troublé l'étude du peuple congolais? Non, d'ailleurs, au contraire. Au contraire, il est en train d'appuyer le chef de l'État. Et à Koulouka, stabilité Zalanakati à Congo. Cependant, ces gens-là, au Baoutaki, na RCD Goma, au Brassaki Bango, na Kati, à armée congolaise, Nanzela, il y a Joseph Kabila. Mais Bango ne va pas infiltrer le lot. Bango ne va pas créer des autres le lot. Bango ne va pas créer des autres le lot. Bango ne va pas créer des autres le lot. Bango ne va pas créer des autres le lot. Bango ne va pas créer des autres le lot. Bango ne va pas créer des autres le oh, petit frère Naye, un lieutenant, se retrouve actuellement à Bounagana. Écoutez, qui joue avec qui? Coup de chapeau, na le président Félix Antoine Tshisekedi, na ba nomination, oh, yasalaki, biso tolobi boy. On a besoin des étrangers parce que partout, ba étranger, ba yaka. Mais, ba étranger, ba zalaka, na ba limite, na bango. Il y a de ces postes-là, oh, yo, ba étranger, ba accédakate, mon frère. Ba accédakate. Pourquoi? Parce que la patrie est sacrée, la patrie doit être très bien sécurisée et on doit verrouiller. Il y a un appel Saragi, quoi, moi d'invite, oh nani, Noël Tchani, moi d'invite. On appelle Saragi raison, on a la loi des pères et des mères. Et regardez très bien ce qui nous cause du tort aujourd'hui. Ce sont des demi-Dakar. Ce sont des demi-Dakar. Voilà. Ce sont des demi-Dakar, on a beaucoup. Afin de bloquer dessus, sur côté là, c'est comme tu as dit, Bounagana, Bounagana, maintenant, tu as dit. Comment dirais-je, si vous êtes sous un otage, papa, M23, si vous êtes comme un bouclier humain, mais stratégie n'est pas faire de ce que vous jouez dans le terrain pour que vous ne vous souvenez pas de la question. Est-ce que vous avez une négociation quand vous avez une négociation pour que vous ne vous souvenez pas? Non, j'aimerais vous dire une réalité. Nous avons appris que hier jeudi, dans la soirée, renfort mon réseau où tu es en Ouganda. Nous avons appris. Laissez-moi évoluer. Renfort Mokozo Utana Uganda pour secourir le 1-23. Parce que 1-23, la minute va commis désemparé, va commis au bout. Tant que vous avez renforcé Uganda, Uganda, ils ont dit, chef d'état-major, c'est moi dans Museveni, récemment, il y a eu sa déclaration, ou l'on a eu une déclaration. Mais l'Ouganda, l'armée ougandaise est hypocrite, laissez-moi vous couper court. Écoutez, moi je ne suis pas le président de la République, je suis citoyen congolais. La Constitution me garantit la liberté d'expression et d'opinion. Comprenez? Je dois sécuriser, partant de l'article 64 de notre Constitution. Je dois sécuriser ma patrie, mon pays. Si le chef de l'État, diplomate qu'il est, non, écoutez, l'armée, le gouvernement doit mener suffisamment des enquêtes pour Nabaloba. Mais ngai na zo loba na oyo na yoki, vous comprenez? Nous avons appris, moi j'ai appris, au travers les réseaux sociaux, vrai ou faux, au travers les réseaux sociaux, qu'il y a une aide ougandaise sur le plan militaire, où ils allaient qu'on y a pour nous soutenir 1-23. Et parce qu'aujourd'hui, l'Ouganda nous joue les doubles jeux. Il y a le chef d'état, le chef d'état-major, Nabango Mwana Museveni, qui dit autre chose, et son père qui nous dit autre chose. Et on se pose des questions. Est-ce que, oh, au moins, papa est bien voté. Pour Nansolo, papa est bien voté, il allait facilement sanctionner son enfant.
Mais nous sommes vigilants et prudents, nous les Congolais. Na ministre Oyo, s'il y a un président Obiso Toope, ça 100% de confiance dans le monde entier, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le reste des présidents là, Toope, ça va 50%. Et le président est, il y a Rwanda, ba Uganda, ba Burundi, na Toope, ça va 5%, ba 10% en confiance. Parce que, nous sommes d'accord, nous sommes convaincus. Vous comprenez? Et le lot Oyo, le 1-23, a commis comme ça le système, il y a bouclier IMA. Bazui population, ba komi ko s'infiltrer dans la population. Le forces armées de la République démocratique du Congo, basant la stratégie, manière en yonso, y'a rokomi sabango au bout. C'est ainsi que nous avons demandé à la population d'évacuer. Et population a kolinga ko évacuer, à un moment donné, soit frappé bandi. Mais yo boy ko kendo boy ko kima. Soit l'issance est sûr kolbani. Donc c'est le moment. Oyo bango, balingi ba pousser bisoto dialoguer na bango. Le 1-23, le Rwanda, entre guillemets, na Uganda, na ba batumususo, tous les gens dans l'Afrique, na ba msu ya communauté internationale, qui nous pousse à dialoguer avec le Rwanda. Moi, j'aimerais d'abord dire ceci aux Américains et aux Français. Nous sommes d'accord de laisser le Rwanda piller nos richesses. Ngaï, ça n'engage que moi. Mais avant biso to accepter ango, toti que la Rwanda piller ba richesse na biso. Bino bondi manan no Rwanda ya copier ba richesse sur les États-Unis d'Amérique. Boti que la Russie aya copier ba richesse sur la carte à France. Boti que li Chine aya copier ba richesse sur la carte à Angleterre. Comme ça c'est to moni bino voilà qui c'est un très bon exemple boti ki bango ba piller. Nena simalongo biso to koya ko tika pe le Rwanda pied. Mais aussi longtemps que bino bolingi bo sécuriser ba intérêt na bino, ba richesse na bino, ba population na bino. Mais nous avons aussi les mêmes droits parce que nous sommes humains comme vous. Il y a ko sécuriser ba richesse na biso pe robate la population na biso. Nous n'accepterons jamais ce genre de négociation. On n'a pas négocié avec les terroristes parce que les États-Unis n'ont jamais négocié avec Ben Laden. Ba quitter la yé. Basamba yekuna na Pakistan sikazalaka le français n'ont jamais négocié avec les djihadistes bakita partout baboma jusqu'à ce que Kadhafi a été tué, vous comprenez? Donc le lo oyo ba comment va donner ya leçon te parce que de la même manière bango bazana makila et circula kana ba vena bango biso pe tozana makila za ko circuler na ba vena biso. Nous ne sommes pas allés au Rwanda pour piller. Nous sommes dans notre pays et nous réclamons notre intégrité territoriale. Merci beaucoup, mon abord Agista. Tu es des États-Unis, est la République démocratique du Congo. Tu es des États-Unis, la ville de Kinshasa. Tu es un abord argentin, gouverneur, patron de la ville. Tu es un abord argentin, Alexandre Mbemba. Tu es un abord argentin, Gobila, vis-à-vis de la ville à l'objet. À ce côté, il y a plus de 99% de pays, de la capitale du monde. À ce côté, il y a salité sa carte dans la ville de Kinshasa, qui est en train de se faire. Tout le monde est en train de se faire, mais moi, je suis qualifié à ce côté, même village natal, il y a des propres collègues, même ville de Kinshasa. Bonne journée, je suis en train de se faire, je suis en train de se faire, je suis en train de se à part, il y a Kin Bopeto vis-à-vis. Mon frère, na ligne na mso que Kin Bopeto est à la raté. Kin Bopeto est à la raté, Kin est à la salité. Non, mais nous sommes d'accord na Bati Lukwebo. Il a raison. Bati Lukwebo a raison. Muto akobo ya maloba Bati Lukwebo sait que atambola na Kinshasa, mon cher Kinshasa c'est très sale, très sale. Mboule beta au Rosanga Bisika ko tambola. Je vous dis que Rosanga Bisika ko tambola. Kende ka na grand marché à Ngomoko. Kende juste à 50 mètres, à 10 mètres, à 5 mètres, il y a hôtel de ville. Et ce sera gentil, Ngobilazali. Mboule beta, mais vous allez trouver des poubelles partout. Salité solo. Ngaï na lo barake. Bon, peut-être gentil, Ngobila est bon. Tamsou Narobina, laissez-moi vous le dire. Hein. Peut-être Narobina, peut-être. Naroye Mbila, le président Félix Tshisekedi, Gentil Ngobila est bon. Mais en ce qui concerne l'assainissement de la ville, province de Kinshasa, Gentil Ngobila a un grand zéro. Au moins, zéro, tu as comme en primaire, ce chef Fatio, maître a commis 0 sur 10. Yo, zéro, no baki si matoui.
Donc il peut dans zéro à monnaie na mato et gentil ngobila fois fois na fois fois il n'arrive pas à travailler et j'étais estomaqué de voir même le vice-gouverneur réagir par rapport à Maloba Oyo Alexis Tambwe Mwamba Loba Kabi Keno Alexis Tambwe Mwamba n'a aucune leçon donnée, c'est vrai. Gentil Ngobila ne peut pas avoir une leçon à nous donner parce que bango peut bagira qui na Kinshasa Kinshasa Zara qui salité. Là je suis d'accord, mais en tant que un homme, il a quand même quelque chose à dire par rapport à la gestion actuelle de la ville province de Kinshasa. Oh, tu as dit comment on a le lobe ali biso opération zéro pav, mon frère n'avait besoin à regretter. N'a regretté à moins que information on a na joué za la lokuta, mais je vous dis que information on a na joué jusque là ça reste vrai à moins que za la lobe opération zéro pav, c'est une entreprise. Il y a privé. Ndé mutu e na mituka na ye. Donc, mitukawana, chaque jour, il y a un versement. Soye bakari mutuka na nzela, il y a un versement. Versement, là, il y a un agent na esika ba ke no déposer mbongo. Mbongo ezokota ni na la police, mbongo ezokota ni na gouvernorat, mbongo ezokota na poche, il y a un individu. Et le gouvernorat n'a qu'un pourcentage réservé pour lui. Et je crois que la police n'en a pas. Nous allons mener les enquêtes pour savoir si aussi la police a ça quand même un pourcentage. Donc, moi, je suis un Moukolana, je n'ai pas de vésalité, je suis un Moukolana. Il y a une différence entre une épave et une voiture. Ou avec un véhicule. Un véhicule qui fonctionne, c'est différent d'une épave. Une épave, c'est un Moukolana, c'est un Moukolana. Et tambola raté et beba moteur ezalité parce que le mali bosso la c'est l'homme tout que c'est épave et ça moteur ezalité na kati ya mutuka dépiécé mais bango ba komisoro tiki mutuka na yo garé yango très bien 5 minutes à pamba on a fourrière thème papa fourrière à nini mutuko garé yango na sika ya bien ba ba récupérer ngo ba ken yango na opération zéro épave pour on attend yo ke de kuno ke de rosenga mbongo comme ba cop na bango et j'ai regretté tant on a yo kiko basataka qui n'a pas gouverneur que non ba gouverneur ba ça ba bourgmestre plutôt ba ça musa na bango bien té il y a un bourgmestre a répondu qui banga lobi d'ailleurs c'est depuis 2021 début sur toujours rétrocession jusqu'à ce jour toujours rétrocession té et dernière rétrocession ezala qui il y a 10 millions de francs congolais c'est-à-dire 5 000 $ et jusqu'à ce jour au moins ba commune union soit né travailler à sans rétrocession ba bourgmestre ba bunda na bango na bango soit ça bourgmestre ba bunda na yemoko Mbongo oya osa ela komini bopete rozalandenge nini. Cependant, il y a 2 millions de francs congolais. Oyo, l'excellence Nicolas Kazadi, Abimisara, pour na repesa chaque fin du mois, na gouvernera la ville province de Kinshasa, pour na basenir ville. Mais nan na oyeba ndenge nini, il faut retourner à Gentil Ngobila, il faut retourner à ye. Et nan na lobara toujours, on ne peut pas acquérir une expérience chez celui qui a déjà échoué. Gentil Ngobila a échoué na. Namboko ni na Yumbi. Il est échoué à Yumbi. Et il est arrivé ici à Kinshasa. Fois échec. Donc, ça fait très mal. Bon. Député provincial, il fallait ba longolae. Ba koma ba master. Ba sala ba dynamique et gentil ngobila. Ba kabola ba attribution. Ba koma kabola la. Ba député provincial, moussous, ba koma travaille dans le gouvernorat provincial. Ba koma ba ministre. Un député provincial. Qui est censé d'inviter les députés provinciaux et plutôt le gouverneur. Mais Yesikoyo a commis ministre à travers le gouvernorat. Yebisan, est-ce que Arolinga a interpellé le gouverneur? Est-ce que Arolinga gouverneur a quoi? Pour que ce gouverneur a quoi? Pas ça, nini? A quoi? Donc, on a ensemble l'entendre que l'élection sera en 2023. Bateau autour Oyo. Tu votes à la provinciale, tu votes à mon côté. La République, tu regardes, là, on a rappelé qu'on a la télévision, tout le service, qu'est-ce que Gustave propose? Non, Gustave ne peut que proposer, je dirais, la destitution, il y a le gouverneur actuel, Gentil Ngobila, il faut pas l'ongolaye. Pas l'ongolaye, bâtir la bise au gouverneur, peut-être, avoir qu'on a un esprit à propriété. Au moins, il y a la propriété, c'est une éducation. La propriété, c'est un comportement. La propriété, c'est un esprit. Comprenez? Alors, Moutoumoussousou, à quoi la n'a propriété? Bozo forcé, na makase et simbate. Moutoumoussousou, a joué éducation à propriété. Bozo forcé, ko simbate. Moutoumoussousou, a un esprit. Y a propriété.
Et aussi Mbagaté. Alors, on doit changer dans l'état angle, je dirais, il y a gouvernorat de la ville-province de Kinshasa. Mes salutations et mes félicitations na gouverneur ya Lualaba, Mama Fifi Masuka. Elle travaille très bien. Quitte à l'eau dans Lualaba. Aoussala Moussala Kitoko. Aoutou nga voir même na palais présidentiel pour le chef de l'État. Viez à l'aise, Kuna, Batou. Baoutambo la loco la Batou. Mais ce n'est pas chez nous, ça, Kinshasa. Au transport, Moutoula Moutoupe, ça n'a pris. Naye. Oye na tongo matanabus. Oye ki baobele la. Zando, ça 50 francs, mon frère, ko matate. Au moins, on a 500 francs à poste, babele lisando, 150 francs qu'on matate. Pour l'instant, on a 150 francs, on a 150 francs, il y a 1500 francs. Donc, sur le transport, babele lio, transport, 200 francs, il y a 2000. 300 francs, 3000. Mais toujours vivre dans Mbokanine. Il y a un ministre des transports provincial, il y a un gouverneur, il y a un ministre des transports national qui fouet, ministre des transports, Chéribin Okende. Bah député, bah côté lié à Tikaliwana, cependant la population est en train de souffrir. Il y a un anaza qui réveille la population. Bon, moi, je suis ministre, je suis député, je suis colibiso, je suis ministre, je suis dérangé, je suis en 2023, bangote. Merci beaucoup, président Gustave. Tu peux te sentir à IDPS, ou tout ce que ça me souhaite. IDPS est parti chez moi, je suis en train de dire ce qu'il dit. Je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis toujours parti IDPS. Je suis comme moi, la primaire, c'est trop dur. La spéculation, il n'y a pas de problème. Joseph Kabila, à ce que je recevais, je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je Ndeko nanga na lingi na msa oki omoni biso na kata I de pese d'abord kindo ke za la makasi na I de pese kindo ke la makasi ki mutema be za la makasi ezana batu muso balinga te ko mona muninga azwi fo ba lukaba bebe sela e balinga te ko mona muninga sala musala mala fo ba lukaba bebe sela e musala na e le CG Kabuya n'a aucun intérêt à rencontrer Joseph Kabila, aucun intérêt. Alors que vous avez Kabila pour Abbas Solani. Non, il y a une stratégie. Il y a Joseph Kabila. Stratégie, il y a Joseph Kabila au PSANA, Augustin Kabuya. Parce que Joseph Kabila est soit incapable de gérer. Non. Wana à cette époque, les Zalaki na Ngonga Oyo, tout la période haute aux Zalaki, na coalition FCC Cash. Mais l'autre, c'est une coalition na Bangote. Parce qu'à cette époque-là, tu m'as dit qu'au temps, on a esprit que le FCC, c'était Joseph Kabila qui prenait des décisions. Et le cash, c'était le président Félix Tshisekedi qui prenait des décisions, mais qui le léguait à Jean-Marc Kabunda, à Augustin Kabuya. Bah, on est allé qu'on représentait Bissot. Vous comprenez? Donc, le long analyse, on a dit que Augustin Kabuya n'a aucun intérêt à rencontrer Joseph Kabila dans Kachamata. Il y a des spéculations, il y a des spéculations qui sont des salariés. Et le lot obatika kobundi sape Augustin Kabuya. Le chef de l'État nous a appelé à l'unité, le peuple congolais en général, à la mobilisation générale. Il est temps de se mobiliser. Le parti doit mobiliser ses ressources humaines pour aider le chef de l'État à évoluer. Et tous dans la carte à l'unité pour n'arroper ça passe dans mon gounate. Le lot oyo, nazali contre Batunion Sobazo lingalelo kobundisa, le secrétaire général Augustin Kabuya. Parce qu'il est en train de travailler sur la logique. Il est en train de travailler. N'habitez pas ton gobe lingi travail oyo. Il y a quoi ça là? Ils ont un niveau nul. Mais bas kende ba ebisai. Soit moni kenyo azo travailler na niveau bango balobelite balingelite. Mais bas kende ba ebisai été. Biso to lingi to travailler na niveau ou travailler niveau boy. Mais bas vitesse musu esenga raba moyen. Et ne pensons pas que comme nous sommes un parti au pouvoir, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons redynamisation, il faut pas sombrer la section, siège, cellule, siège. Fédération, siège. Ah, ndeko nangai. Na ngonganini. Soyons logiques. Na ngonganini. Ata toke na ba pays ba Nelson Mandela. Est-ce que ANC ba selil na nyonso eza pena na ba siège o ba somba? Non. Soyons logiques. Na tant o muke o biso tozu pouvoir. Et puis pouvoir yango tozu yango, nous n'avons pas la totalité du pouvoir sur l'exécutif, c'est-à-dire au niveau du gouvernement. Bisote mtozali ko diriger le gouvernement lelo tozana ba ministre ebelete ba ministre mso baza muke ata ba pesi ba rétrocession na ba 10% na bango e ko kakaka te dans un laps de temps ko sombela ba cellule ba siège ba section ba siège ba fédération ba siège. Ce qui est vrai aujourd'hui zali que nous devons accompagner le chef de l'État aussi le secrétaire général na politique na ya UDPS
pour qu'on ramène parti na biso ekende liboso to zo ba mandataire moko fiable o ba ko raisonner le parti o ba ko salam salam alamu na niveau territorial to tia ba membre aussi na niveau ba bourgmestre to za na ba bourgmestre o quand même ba rétrocession na bango e rosala ke kesi ya parti etimba pour na to réaliser ba projet ebelé. Donc quant à moi, coup de chapeau dans le secrétaire général Augustin Kabuya. Merci beaucoup na ba Augustin ko na suke monsieur biso message sou gagner ku ko lancer ba imbor batolo partout na mona tena message ya sou ko na zali ko lancer na batun so zali ko landangai partout to linga le Congo na biso to accompagner le chef de l'État na ngonga o to za na yango le patriotisme et singara na batou ba bwaka ba divergence na bango tout à côté pour na ko se focaliser vers l'intérêt général où ezali la patrie où ezali la nation ezali le Congo notre pays tous en ambition sort pour na tout les mela monguna na biso soit to mon eska mutu amba ezali esengeli to dénoncer et aussi ngai moko nazali ko rappeler juste na ba partenaire na ngai na bande ko balinga Gustave Lutumba d'ici le 20 je dois voyager pour na ko kende na Kwilu na baro ko sa la test d'admission na baro ya Kwilu po na kokoma juste avocat et je mérite que ba partenaire na ngai nyoso bazali ko landa ngai ba s'activer parce que c'est vraiment un grand voyage et plus 243 89 457 33 88 plus 243 989 non le numéro là il a déjà à côté donc numéro Zali ka plus 243 89 457 33 88 des numéros ko bengelanga ils en WhatsApp ils en normal au ko zwangai na bengi jeunesse nyonso le 30 novembre oyo na palais du peuple bisikanini toko solo là na le chef de l'État donc le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi face à la jeunesse congolaise mutu mokote azanga biso nyonso na palais du peuple à partir déjà à 7h 8h parce que na 10h déjà à partir à 8h30 mise en place terminée 9h ben invité ba bandi koya 10h cérémonie na biso e bandi donc tout singi na ba jeune nyonso ba e ba na rotelema na pesi ba mbote na ba partenaire na nga nyonso o ba linga kangai na bo sanité Cyril Assoloa bisika zali na pesi pe mbote na junior congolo en tout cas naza na posa junior congolo afte langa billet d'avion il y a retour na ngai hein, parce que retour ton na zonga bo il faut na zonga na avion to ça là test wana eza le 29 le 29 ici la partie à 14h 15h donc c'est tout ici na zo mbala moko avion de Kikwiti na kitambala moko awa na Kinshasa pour na préparer les 30 to ça là juste na na palais du peuple bambo tebelepe na Didier Budimbu na bo sanité Nicolas Kazadi l'homme qui travaille bien et pourquoi pas tous ces gens-là qui travaillent mieux na Didier Moussete. Merci beaucoup Nambouré Gustave. Merci beaucoup Ndeko.